Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Je sais pas où je suis, voilà. Je sais pas où je suis. Mais y a pas d'être humain. Je sais pas où je suis, voilà. Je sais pas on est à combien de mètres d'altitude. Mais le spot, il est juste incroyable. Regardez la vue, s'il vous plaît. Ah, c'est un truc de ouf. Pachico, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, Pachico? J'ai trop monté, descendu, retourné. Je fais que vomir. On s'est arrêté, il y a des vaches. C'est simple. Je dis bien, c'est simple. Le ou la première qui ose aller toucher une vache et revenir, je lui donne 500 euros. Attention, attention, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Regardez, regardez comment elle regarde. Regardez comment elle regarde, elle. Aïe, 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 aïe. Eh ben tout ça pour ça. Elles ont touché aucune vache. Elles sont revenues en courant pour eux. Ça a marché dans la merde. En gros, on est venu dans cet endroit parce que j'avais une collaboration avec une grosse marque. Mais au dernier moment, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais sachez qu'hier, j'ai fait Perpignan-Toulouse, plus de 200 km. Toulouse-Annecy, plus de 650 km. De Annecy à cet endroit-là, il y avait une heure de route. Et là, on doit faire de cet endroit à Perpignan, il y a, je crois, 600 km aussi. On aura fait, je crois, plus de 1500 km. Ah, on roulait, regardez sur quoi on est tombé. Je crois que c'est un petit caniche, mais les voitures, elles vont passer, elles vont le percuter. Attends, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ah, on roulait, regardez sur quoi on est tombé. Putain de merde! Essaye de le bloquer, essaye de le bloquer! Mais champion, putain, mais t'es con ou quoi? Ça y est, j'arrive. Viens mon chat. Il a peur, il a peur, hein, je sais pas quoi faire moi. Oh, je suis cuit! Oh. Oh, stop, stop, stop! On va le choper. Putain, mais les voitures elles vont lui rentrer dedans, voilà! Faut que tu le chopes là! Ouais, je vais le choper, mais. Oh, regarde, vas-y! Un! Deux! Vas-y, vas-y, attends, attends! Allez! Oh, bien! Allez, vas-y, roule, 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 bloque la route! Chut! Frère, frère, stop, stop, stop! Et il y a même des gens qui se sont arrêtés pour le courser avec nous! Mais j'ai pas le cardio, j'ai pas le cardio! Et il y a même. On s'est arrêté manger un petit bout là! On a eu de la chance. On est tombé dans une station où le poulet était halal. Ouais, ça fait plaisir. C'est ça, mon gars. T'es présent cette année. Mange, mange. On s'est arrêté manger un petit bout, là. Faites doucement, voiture. Faites doucement. Faites doucement, voiture. Alors, ça, c'est une tenue très gênante. Mais qu'est-ce que... Okay. Regardez bien. Mais qu'est-ce qu'il entre? Eh, mais la tête de ma mère qui est serrée en plus! Mais voilà qu'il est serré! Ah, c'est trop grave. La vérité, c'est trop grave. Je viens juste de rentrer. Je me suis même pas encore touché. Regarde la story de Samos. Il est vraiment prêt à tout, ouais. La vérité, il est prêt à tout. Tu peux pas te reposer. Dans ce merdier, tu peux jamais te reposer. Qui? Samos, hein! Mais il est là? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de père, t'as pas de mère, t'as pas de soeur, t'as... Qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte ou quoi, le compte de non, ta mère? Mais c'est pour le gainage, frérot. C'est pour le gainage. C'est pas transparent. Pourquoi tu l'as fait? Tout le monde veut la faire payer. Moi, j'ai un bon cœur. Je l'ai fait gratuitement. Ah, parce que toi, tu fais des pubs gratuites à des demoiselles. Mais ouais, j'ai demandé un euro. Non. Voilà. Et t'as pas demandé un euro? Un euro, même pas 10 centimes. Et tu penses qu'il est vraiment solidaire? Je pense qu'il est sincère, oui. Il est sincère? Très sincère. Je te dis. Viens, je te parle. S'il te plaît, reste là, ma soeur. T'es un gentil garçon, toi. Ben ouais. T'as un grand cœur. Un vrai cœur. T'as envie de lui faire l'amour? Ouais. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, espèce de trou du cul. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, espèce de guignol.
Eh, hey, quand il voit une meuf qui lui plaît, par là, il est prêt à tout. Mais hein, regarde, hein. Eh, hey, ton père, il va voir la story, cette fois-là. Arrête de rigoler. Comment ça, mon père? Mon père, on s'en fout un peu. Arrête de parler comme ça. Arrête, arrête. Voilà, arrête, je vais te foutre un coup de tête dans le... Ah, c'est le 22 juin qu'il y aura les combats de Nasdas, Farah, Ismo, Samos. Le 22 juin, Samos combat. Farah combat. Tunsi combat. Et peut-être que moi, je vais combattre. Mais c'est le 22 juin, la billetterie, elle est là. C'est à Perpignan, chez nous. Ça m'a mis du temps avec l'UMB de l'organiser. Mais on l'a fait. On a notre propre gala. Le 22 juin. Attends, arrête ça, s'il te plaît. Je suis chaud. Tu fais quoi, hein, je te parle? Oui, c'est pour le message. Mais oui, il peut pas rester comme ça. Dis le message. Dis le message, regardez. Je me sens bien, moi. Allez, les cheveux, bien. Sors comme ça. Ce soir, je préfère aller dormir. Je suis hyper fatigué. Je comprends plus rien à ce mood, moi. Arrête de me regarder mal. Arrête de me regarder mal, on va se battre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Attention. Voilà. Arrête de me regarder mal. Allez voter. Allez voter. Oh là, je sors. Je viens juste de voter. Il n'y avait pas de jeunes. Eh, c'est incroyable. Il n'y avait pas de jeunes. Mais après, faut pas venir se plaindre. C'est maintenant qu'il faut voter. Mais après, faut pas venir se plaindre. Donc voilà, c'était la story de Nasdas. Et effectivement, il y avait les élections européennes là. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que l'extrême droite risque de faire un gros carton là-dessus. Voilà, et on verra si mes prédictions avaient vu juste ou pas. Moi, j'ai senti une montée de l'extrême droite, même chez des gens qui ne l'étaient pas forcément à une époque. Donc, voilà quoi. Voilà quoi. Comme on dit, c'est après le bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Ouais, j'ai toujours dit dans certains commentaires de vidéos, ça sert à rien de foutre le bordel, ça sert à rien de faire ceci, cela, c'est inutile, contre-productif. Et vous nourrissez le Front National, tout simplement. Le Rassemblement National. Le Rassemblement National, encore, qui s'est dédiabolisé. Après, il y a toujours cette question, est-ce que c'est sincère, cette dédiabolisation, cette modération dans l'extrême droite, ou est-ce que c'est pas sincère? C'est une autre question, c'est une question politique. Voilà, c'est une question politique. Voilà, tout simplement. On peut noter aussi le retour de Mansour. Le retour de Mansour, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Voilà, avec le boucan qu'il a fait à une époque. Voilà, il devenait un peu trop nerveux, un peu avec tout le monde à une époque. Là, il se fait un petit défrisage. Quoi que je vais dire, si je ressors les anciennes stories de Nasdas, on le voit qu'il faisait des défrisages. Il a oublié. On va dire qu'il était plus jeune. Il était plus jeune à l'époque. Voilà. Et le chien de village, le chien qu'ils ont vu là sur la route, c'est vrai que il marchait bizarrement sur la route. Parce qu'il y a dans les villages, c'est assez coutumier chez les villages de laisser le chien se balader en liberté. En fait, il s'assiffle le soir pour qu'il vienne manger et tout. Bah, il paraît qu'il ne faut pas siffler dans les maisons. Il faut siffler dehors. Mais celui-là de chien, il avait l'air... c'est bizarre qu'il marche sur la route.
Après, il y a plein de chiens comme ça qui sont, on va dire, en liberté, on va dire, qui reviennent tous les jours à la maison, comme des chats, comme des chats, ma parole. Il y en a un, une fois, il s'est fait écraser, malheureusement, mais il n'est pas mort, il a été juste un peu blessé, un peu sonné. Et grâce au collier, ils ont réussi à appeler le maître. Hein, voilà. Voilà, tout simplement. Et Samos en legging, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire, Samos? Et en plus, il a fait la pub gratuite, hein? Au meuf, il a fait gratuit, au mec, il fait payant les pubs. Ma parole. Ah, ça aurait été un mec, il n'aurait pas fait cadeau. Ma parole. Là, je sais pas, là. Là, il l'a fait gratuite et il était prêt à mettre le legging et tout, carrément. Donc, il va y avoir la carte Nasdaq le 16 juin, le 16 juin et le 22 juin, les combats. Donc, c'est officiel, il y aura Tunsi qui va combattre Samos. Tunsi contre Samos, non? Non, je rigole, peut-être pas. Nasdaq, peut-être qu'il va combattre. C'est vrai que ça fait un moment qu'il s'entraîne, qu'il montre des fois de temps en temps qu'il s'entraîne. Et Farah qui va combattre contre Ismo. Farah aussi, plusieurs fois, elle a montré ses. À plusieurs reprises, elle a montré ses entraînements et elle va combattre qui? Contre Ismo, la future ex de Karim Lipton. Non, je rigole. Et il a annoncé Karim Lipton dans une des stories qu'il y a avant, là, sur la chaîne. Quand vous cliquez sur mon pseudo, vous arrivez sur la page principale. Karim Lipton, il avait déclaré que le jour du combat, il va se marier avec Ismo. Donc, on connaît la date de mariage de. Ça y est, on connaît la date de mariage de Ismo et Karim. Ça sera le 22 juin. Le 22 juin. Sinon, dans les autres actualités de la team Nasdas, il y en a tellement. Il y en a tellement que j'arrive pas à les retenir. Donc, dans les actus les plus récentes, il y a la vidéo du live de Asia qui s'explique par rapport à Nasdas, tout ça. Il y a comment ça s'appelle, Leyana qui a mis le voile, Lina qui a porté le voile. C'est dans les autres stories de la team Nasdas. Si vous les avez loupées, c'est fait pour ça. Comme les stories disparaissent au bout de 24 heures sur Snap, bah, vous pouvez les voir ici si vous les avez loupées. Et pour ceux qui n'ont pas Snap etc. Ou ceux qui veulent pas d'un énième réseau social et ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les stories de la team Nasdas. Il y en a, ils me disent, mais plus de stories Nasdas, il a fait que ça comme story. C'est déjà pas mal. Vous voulez que j'invente des stories de Nasdas que je non mais que j'ai compris, je vais y aller, je vais snapper à sa place. Je vais tous les snapper un par un. Un par un, je vais les snapper tous. En commençant par Samos, Stunzi, Cappuccino, etc. Donc n'hésitez pas, ouais, voilà. Je mets ce que je peux mettre, ce qu'il a mis. Je peux pas faire inventer des stories à sa place ou les faire à sa place. Carrément. En plus que là, vous avez vu, il a bougé 1 500 km et il snap encore. Et il snap, franchement. Il y en a beaucoup, après un voyage, le dernier truc qu'ils ont envie de faire, c'est de prendre leur portable et de snapper, franchement. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Je sais, quand ils snappent pas, il y en a, ils sont en dépression et tout. Ils ont plus le goût à la vie et tout. Ils sont malheureux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.